futur président de l'État d'Israël dans quelques semaines maintenant, en remplacement de Shimon Peres. Alors, sur le plan politique, une polémique a gagné le Parlement israélien depuis les propos très tranchés d'une députée arabe israélienne qui a refusé de qualifier de terroristes les auteurs de cet enlèvement. Une loi pourrait même être votée pour la destituer. Reportage à la Knesset, Maël Benoliel. Bring them back. And you better bring them back now. Cela commence par une simple vidéo postée sur YouTube. Un jeune arabe israélien implore les ravisseurs de Gilad, Eyal et Naftali de les relâcher. Effet viral oblige, sa vidéo fait beaucoup parler d'elle sur la toile. Et pourtant, l'auteur de cette vidéo n'est autre que Mohamed Zoabi, le neveu de la députée arabe israélienne Hanin Zoabi, réputée pour ses prises de position extrémistes vis-à-vis de la politique du gouvernement israélien. La députée ne s'est pas faite attendre pour condamner les propos de son neveu et justifier le rapt des trois adolescents israéliens. Ce ne sont pas des terroristes. Je ne suis pas d'accord avec cela. Ils n'ont pas d'autre solution pour changer leur réalité. Et ils doivent utiliser des moyens comme cela jusqu'à ce qu'Israël et ses citoyens comprennent la souffrance des autres. Résultat de cette sortie médiatique, un véritable scandale au sein du Parlement israélien et une vague d'indignation dans tout le pays. Pour Ayelet Shaked, elle aussi membre de la Knesset, la députée arabe israélienne a été trop loin. Ce que la députée Zoabi a dit est une honte pour la Knesset. Je pense que ses paroles ne représentent pas ce que pense le public israélien dans son ensemble. La plupart des gens condamnent fermement cet acte lâche d'enlèvement d'adolescents innocents. Je pense qu'un parlement dans un pays démocratique ne peut tolérer ce genre de paroles. J'ai donc décidé de présenter une nouvelle loi visant à faire radier les députés qui inciteraient au terrorisme. Menacée de mort, Hanin Zoabi s'est vue proposer un garde du corps par les services de sécurité de la Knesset et refuse toujours de s'excuser pour ses propos ambigus. Et ce n'est pas tout. Pour nous, tout ce qui est fait du côté palestinien est légitime dans le but d'obtenir l'indépendance face à Israël. C'est un combat légitime pour une libération nationale d'un peuple. Pour nous, l'unique responsable de cet enlèvement est le gouvernement israélien et sa politique. Le Hamas est un mouvement légitime et le peuple palestinien ne laissera pas Israël décider pour lui. Il est temps que les Israéliens comprennent que la politique israélienne est celle qui crée le terrorisme dans la région. Hanin Zoabi a tenu à envoyer un message aux familles des trois disparus depuis maintenant 6 jours. Aux familles des victimes et à toutes les familles israéliennes, reconnaissez enfin la souffrance du peuple palestinien que vous avez causée et sachez que l'unique responsable de cet enlèvement est le gouvernement israélien. Une liberté de parole qui choque tout un pays et qui questionne les limites de la démocratie israélienne.